crois qu'elle apporterait certainement un petit éclaircissement. Il faut l'espérer, en espérant que les textes soient suffisamment clairs pour que les gens puissent la comprendre aussi. Pour l'Europe, vous avez également une deuxième fois en page 3 la question qui est posée et avec donc l'exposé des motifs qu'on propose sur la suite du gouvernement à l'approbation donc ce projet de loi. Hein, voilà. C'est beau, quand même. L'opération logistique consiste effectivement à adresser à 42 millions d'électeurs un pli personnalisé de 283 grammes, et ceci entre le 18 avril et le 14 mai, de manière à ce que les électeurs aient le temps, je dirais, de prendre connaissance de la documentation et de se prononcer par conséquent en toute connaissance de cause le 29 mai prochain, date du référendum. Je vais ouvrir, que se passe-t-il si on n'est pas mis non ? Puisqu'on n'est plus à l'étranger, donc c'est pour... Ce qui m'a d'abord frappé concernant ce débat, c'est la demande de compréhension, d'explication des jeunes qui soit n'ont pas lu le texte, soit ont essayé de le lire et ne l'ont pas compris. Et donc ça me paraît important de faire, d'ici les semaines qui nous séparent du référendum, de la pédagogie.